Téléspectateurs, téléspectatrices, émission regardée, nous comptons rentrer là aujourd'hui et l'émission, nous allons parler sous 100 premiers jours, président Jovenel Moïse. On nous regarde comment travailler avancé, on regarde comment président Jovenel Moïse, dans 100 premiers jours, il était posé action pour capable commencer le travail population haïtienne. Jean qu'il était fait dans 22 mois campali, côté il était prend différents engagements. Et dans ce sens, jeudi, nous prenons le fond, regarder sous différents travails. Bien sûr, nous n'avons pas de possibilité pour nous permettre de revivre tout le travail qui était fait pendant 100 premiers jours. Mais nous mettons quoi? Jeudi, nous prenons regarder ensemble dans 100 premiers jours. Quel travail président Jovenel Moïse déjà entamé dans différents départements dans le pays, pas seulement dans le département de l'Ouest. Je m'engage à travailler du premier jusqu'au dernier jour de mon quinquennat. Aujourd'hui, c'est mon premier jour. Je vais commencer à travailler dès aujourd'hui jusqu'au dernier jour de 2022. Notre responsabilité est grande, mais elle est noble. Elle consiste à embellir et à travailler à l'enrichissement et au progrès de la nation. Jean que nous t'ai annoncé dans le début de l'émission, jeudi, nous allons regarder ensemble dans différents travaux que le président Jovenel Moïse a fait. Mais juste avant, nous allons démarrer ensemble avec le secteur santé, puisque nous connaissons le président Jovenel Moïse, il a été monté au pouvoir le 7 février 2017. Il y a un problème qui a été attaqué en premier lieu, c'était le problème de santé. Et justement, le président Jovenel Moïse est descendu dans l'hôpital général pour être capable de fournir et regarder comment le problème de l'hôpital ça lui-même lié. Et pour cela, nous connaissons que y a un problème qui a tracassé l'hôpital, ça, c'est question de dialyse. Là, puisque nous connaissons un pile monde qui a insuffisance rénale, ça qui insuffisance rénale là, c'est qui ça lié, c'est le fait que nous avons un dysfonctionnement dans elle, donc il n'y a pas une capacité pour coller, emmagasiner toutes les déchets supposé emmagasiner, et pour cela, il a besoin d'autre traitement, puisque nous avons un monde qui vit avec une maladie qui supposait permettre que lui-même pour capable vivre, joindre l'autre traitement. Et pour cela, la question de dialyse est importante en pile pour les gens qui font maladie insuffisance rénale. Le président Jovenel Moïse a mis un engagement pour aller prendre l'hôpital général pour être capable de voir améliorer les conditions de la population, surtout les gens qui ont avec maladie insuffisance rénale. Le président Jovenel Moïse a mis divers travaux. Parmi eux, gagner réhabilitation, question sanitaire dans l'hôpital général, puisqu'il a promis à la population de porter solution avec problèmes, surtout les gens qui ont souffert de maladie, ça, pour permettre que leur vie dans l'hôpital général puisse avoir un centre de dialyse qui répond à normes pour être capable de jouer la santé. Et pas seulement ça, puisque le président Jovenel Moïse était promet tout la continuer travail. Et dans les différentes promesses que le président lui a fait, il était promet à la population plutôt que à gagner sans dialyse dans différents départements dans le pays.
puisque l'État a déjà gagné Sandy Alizar qui est dans l'hôpital général. Et pourquoi il est là? Président Jovenel Moïse est tombé avec une inauguration, un nouveau Sandy Alizar. Et l'inauguration a été faite dans l'hôpital au Fatma. Qui lui-même, dans le jour ça, le président Jovenel Moïse a renouvelé l'engagement. Il a fait encore pour être capable de permettre que la population jeune puisse bon soin de la santé et le démarrer avec l'hôpital au Fatma. Et pourquoi il y a des gens qui font maladie insuffisance rénale ou même qui ont des problèmes, ils ne peuvent pas seulement aller dans l'hôpital général, dépenser tout ce qui est dans l'hôpital général, puisque nous connaissons comment condition de terre. Et par rapport avec ça, le président Jovenel Moïse lui-même a mis un nouveau sans dialyse dans l'hôpital au Fatma. Pourquoi il est là? Je dis qu'il est capable d'aller directement dans l'hôpital au Fatma pour aller prendre soin. Parce que me dit pendant 100 jours là faut mener dialyse dans sud. Faut mener dans le nord, faut doubler dans l'ouest. Mais je vous dis, nous arrivons à doubler dans l'ouest, et ce n'est pas métier, ce n'est pas profession, je ne suis pas fort, je ne rien à faire dialyse. Gros monde qui connaît, te dit, le président, la difficile pour le fait, pour tous les trois fêtes, pendant 100 jours. Même content d'apprendre aujourd'hui, que avant fête 15 août, qui se fête Notre-Dame ville au Caï, qui se fête Notre-Dame ville au Cap, mon au Caï Cap Gardem la Cap Tandem, mon nancid en général, mon grand dans mon nanip, avant 15 août, n'a bien sans dialyse ban, mon nan nord, mon nan nord-est, mon nan nord-ouest Cap Tandem la, mon nan la Tibonite, mon nan sans, avant 15 août, n'a bien sans dialyse. Pour qu'on y a, nous prenons avec un autre travail que le président Jovenel Moïse est en main pendant 100 premiers jours sous pouvoir. Nous connaissons un problème d'identité, pièce d'identité en pays d'Haïti qui casse tête que le qui difficulté que la population a rencontré. En pile là de haut, c'est seulement Port-au-Prince qu'on est obligé de rentrer pour capable venir faire pièce d'identité, quel que soit si carte d'identification nationale ou quel que soit si passeport, encore permis de conduire. Président Jovenel Moïse lui-même était allé dans le département du Saint-Lan pour faire une inauguration, un nouveau centre réception, livraison à quatre documents d'identité. Et dans jour ça, le président te prend engagement encore puisque il toujours dit dans chaque intervention il pas jamais suspendre travail pour la population haïtienne et dans ce sens ça, il était tombé inauguration ça qui quoi aller là permettre que la population inchlan un choix avec un choisir pour obliger rentrer Port-au-Prince puis capable venir joindre pièce d'identité yo capable rester dans zone yo puis capable faire pièce d'identité et pas gagner seulement un département et dans département du Saint-Lan puisque il est allé dans Verrette également dans département de l'Artibonite te tombé avec une inauguration c'est dans commune Verrette. Nous t'es bon pouvoir, moi t'es toujours dit, nous pas de bon pouvoir pour mal porter presse pour mal juif. Et m'te dit nous. Non semaine, il y a 7 jours, pas vrai? Je dis ça dans la campagne. 3 jours pour Port-au-Prince, bel costume, belle cravate, bel soulier, bel pantalon, gros français. 3 jours, non semaine, non, parce que l'État travaille 5 jours. Mais je dis, madame, je vais me garder, il y a 2 jours par lieu. Qui c'est samedi, dimanche, qui est le bon moins. L'autre 3 jours, c'est pour moi deux. Pour ma marcher dans le pays, pour moi, problème, pour nous capables ensemble nous résoudre parce que si m'pa marcher m'pa ka wè m'to cap nous se trouvé plus précisément dans commune Plaine du Nord nous se trouvé on centre même Jacques centre ça comme saute là m'va dans la Tibonite plus précisément dans commune Verrette m'va louvon l'autre centre même Jacques centre ça c'est ça nous devons régler nous pas de bon pouvoir mal persécuter personne. Nous pas de bon pouvoir mal entrer dans la combine avec personne. Nous avons de bon pouvoir pour faire l'ordre rétabli dans le pays. Nous avons de bon pouvoir pour mettre l'État au service de la nation.
Nous avons un bon pouvoir pour faire l'État venir servir nous. Et c'est ça que nous commençons à faire. Mandez-nous, encadrez-nous. Mandez-nous pour nous rester vigilants, peuple. Parce que nous pile parole qui a pour parler. Quand pile décision difficile qu'a bien pour prendre, si nous pas camper avec moi, le pape qu'a prendre, la vie nous pas changer. Et sans décision ça. Même genre décision nous ouais commencer prendre pour bloquer en veux-tu en voilà dans l'état. Mesure que nous prend arrêter sous train de vie l'état. M'a dit tout le monde qui travaille dans l'état. Mesure ça c'est pour vous, il y a bon. Le 12 février nous commençons à faire opération. Saint-Domingue, frère nous, action nous, qui vivons en République Dominicaine, seconde demande passeport offert pour 37 000 passeports payés. Je paye comme vous. Je n'ai pas jamais livré depuis 2 ans. En Haïti, seconde demande passeport payé qui fait pour 117 000 passeports pendant 10 mois. Dans la diaspora, seconde demande 17 000 passeports qui fait payer, mais vous pas jamais délivré. Dans moins que 2 mois, nous arrivons dans l'immigration, nous faisons 2 seuls changements dans le système. Le ministre intérieur qui est là, directeur général de l'immigration, nous changeons. Avec même monde, même équipement, moins l'argent, nous passons de production de 500 passeports par jour à 2500 passeports par jour. Prenons pas nous, c'est pour tout haïtien, mettre tout ensemble, quelle que soit l'origine politique. Quelle que soit chapelle politique ou saute la donne, de pour y'en que avec tête, ça veut dire ou y'en l'amour pour pays ou y'en compétence, viens joindre moi pour servir pays. C'est ça me dit. Président Jovenel Moïse lui-même n'est pas traité seulement dans le département de l'Artibonique avec le département du Centre, il était rentré également dans le département de l'Ouest là, côté l'Italie fait inauguration 300 réceptions livrées à quelle livraison pièces d'identité. Ça ne cité la voie était déjà trouvé une dans rue Lamar, une dans Pétionville avec la commune Tabor. Et pas trop longtemps, président Jovenel Moïse également toujours dans le département de l'Ouest là, était en main avec une inauguration un nouveau centre réception avec livraison pièces d'identité, c'était dans Delma 31 dans la commune Delma qu'il était fait. Et c'est toujours dans le même objectif là, président Jovenel Moïse était fait différentes inaugurations ça yo pour capable permettre que population joue une pièce d'identité à plus rapide puisque nous connaît importance passeport, nous connaît importance pièce de base qui c'est carte d'identification nationale là que tout citoyen qui vivent dans la majorité yo supposé gagner pour l'état capable reconnaître en tant que citoyen. Comme tel. Et pour cela, président Jovenel Moïse tente pour capable permettre que travail ça y arrive plus rapide et permettre que nous capable rentrer dans même enclenchement ensemble avec. Et pour ça, président tente avec différentes inaugurations ça. N'a pas le coup elle est là, déjà il y a différents centres de réception à quelle livraison pièce d'identité ça on a différents intérieurs. Département de l'Ouest là déjà gagné 4 là dedans, gagné une commune Tabor, une dans Delma, une dans Pétionville et une également dans centre ville là qui trouvé dans rue Lamor. Et pas gagné ça seulement que président Jovenel Moïse de temps même pour faire un travail là, mais avant, nous allons permettre de suivre l'intervention du président Jovenel Moïse dans le cadre de différentes inaugurations. Et nous allons tout de suite après pour nous capables de continuer ensemble avant dans 100 premiers jours. Président Jovenel Moïse là, qui travaille et continue à temps même. Le peuple a fait passeport, il paye comme il fait sacrifice, il a passé 3 mois dans votre prince, il a un passeport, il va jouer. Il fait même 6 mois. Même mon Dieu, l'homme arrivé 7 février, même en état de situation, moins joint, le peuple a payé 117 000 passeports pendant 1 an, il va jouer. Travail qui n'a pas été fait dans 12 mois. Il fait à 45 jours. Nous avons dit nous avons 100 par jour. Aujourd'hui, nous avons
dans Delma. N'a bien un vote mémoire, vous voyez vous dans Carrefour, dans Barré. Nous avons toutes les raisons pour nous aller camper devant la rue, pour nous camper depuis 5 heures, depuis 6 heures du matin. Vini. C'est le même emploi d'immigration dans le monde là. De monde qui dédié, qui parle pour le travail. Moi, félicitez-vous. Moi, complimentez-nous pour un si peu de temps. Et nous disons que nous avons souffert. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de plus de temps que nous travaillons. C'est 100 jours sans camper. 100 jours côté pas de dominance. 100 jours côté équipe ça. Tu marches dans tout le pays. J'aime dire dans la campagne. Nous allons servir avec mon Dieu pour nous mettre ce pays ça sur route progrès. Téléspectateurs, téléspectatrices, émission en gardé, gens qui ont suivi la président Jovenel Moïse dans le cadre de différentes inaugurations. C'est un 100 premiers jours président et ont suivi ensemble avec nous dans l'intervention. Le côté, encore une fois, libre engagement pour capable continuer le travail pour améliorer les conditions de la vie de la population et surtout pour capable respecter l'engagement de prendre pendant 22 mois de campagne. Pourquoi elle est là? Nous prenons notre travail qui est assez important pour le président Jovenel Moïse. Elle a fait le lancement 1er mai qui est passé. Si vous avez un peu de travail, n'a pas l'eau, puisque le président a lancé un nouveau programme et ce programme Caravane Changement. Qui est Caravane Changement lui-même? Caravane Changement, c'est une révolution que le président Jovenel Moïse a mis pour lui faire dans l'agriculture. Et pour ça, il a besoin d'encouragement de la population, puisque le dit pendant la campagne, il a mis les gens ensemble, terre avec le soleil là, et puis de l'eau pour capable permettre que j'ai un résultat besoin. Et pour ça, il a démarré avec l'agriculture. Et dans le premier mois qui est passé, le président Jovenel Moïse, dans Bokozel, il a rappelé que Bokozel, c'est la 5e section communale dans la Tibonite, notamment dans la ville. C'est manque. Et pour ça, le président Jovenel Moïse est allé dans la section communale pour démarrer avec le programme Caravane Changement qui permet pour permettre que la population qui est dans une zone éloignée, surtout plantée avec l'agriculture, pour capable jouer une plus bonne condition pour travailler. Et pour ça, le président Jovenel Moïse a fait un signal clair, question qui rage là, que lui a fait dans le département de la Tibonite, notamment dans la zone côté Caravane lui-même démarrer. Et pas seulement ça, puisque le président tout, il te promet que la venir avec des appareils qui sont capables de travailler à plus rapide. Et pourquoi elle est là? Déjà, il y a un appareil qui vient d'un pays il n'y a pas trop longtemps, qui prend le faire travail. Il y a deux excavatrices de qu'on a fait, non, un temps qui était assez long. Il prend le faire seulement une semaine. Et tout ça, c'est pour capable toujours répondre avec engagement, avec sa promesse qu'il te fait à la population pour permettre qu'elle arrive à atteindre. Le président Jovenel Moïse, dans le cadre de Caravane Changement, est allé dans Bokozel pour faire travail ça. Et pas seulement ça, puisqu'elle te continue à faire visite dans le département de la Tibonite, dans différentes autres zones. Puisque Caravane Changement, on a rappelé, il y a 5 points là-dedans. Nous sommes capables de garder ensemble, non seulement lier des populations dans les affaires infrastructures routières, là, mais tout le permettre qu'il y ait une route agricole là, qui, ou même qui a travaillé, on connaît sûrement le qui s'en parle. Ou pas arriver à jouer un résultat dans la terre sous pas gagner une route agricole. Et pour cela, après la route agricole, le président Jovenel Moïse promet pour être capable de protéger la population et après semence pour être capable d'aider au travail terre puis bien pour jouer un résultat. Et c'est ça que nous allons regarder ensemble là, pour voir comment la caravane de changement est démarrée dans le département de la Tibonite et certainement qu'il y a pour aller dans l'autre département puisque le président Jovenel Moïse prend un engagement dans ce sens.
Moun Lagrange, moun la Tibonite, moun Bokozel, map marché avec nous jusqu'à ce que nous joignions résultat production que nous cherchons. Moi même map campé derrière nous, map pot de l'eau pour nous, map pot de route pour nous, map pot usine pour nous dans la vallée pour chercher du nous. Nous pas de rendez-vous à échec. Nous pas de rendez-vous à craser brisé. Nous pas de rendez-vous à ring hang. Nous pas de rendez-vous à yon railot. Nous gen rendez-vous à changement. Nous gen rendez-vous à l'union fait la force qui se devise nous. C'est moun kap travaille dans l'État qui pour bay exemple changement. C'est employé l'État qui pour corée démocratie. Nous chaque supposé un modèle. Chaque ministre qui l'a. Chaque gros fonctionnaire l'État qui l'a. C'est pour nous qu'on est nous là pour nous venir servir peuple là. Nous c'est serviteur peuple là. Nous gen gros job, nous a bli dans gros livre. Mais là nous fin li dans gros livre, c'est pour nous mettre ça nous dans gros livre en application pour peuple là. Voilà, c'est avec dernière image que nous mettons en bout jeudi en émission. On garde certainement n'a pas gain pour nous recroiser encore une fois pour nous capable garder ensemble différents travail que président Jovenel Moïse dit même là tantôt et jeudi a nous te permettre de suivre quelques notre travail président Jovenel Moïse tant maintenant 100 premiers jours. N'a pas casser rendez-vous dans plus prochaine jour de sortie émission on garde et surtout pour nous capable garder ensemble travail président Jovenel Moïse avec équipe.